Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à l'Assemblée chrétienne d'Espoir et Vie. Si j'ai pas eu le temps de vous saluer, sentez-vous saluer ce matin. Et je voudrais saluer aussi ceux qui nous suivent en ligne dans leur salon ou peu importe où il se trouve que Dieu puisse vous bénir par sa parole là où vous êtes. Et on vous invite, bien sûr, à prendre part à nos réunions si vous le pouvez afin qu'on puisse être bénis ensemble. Le titre du message ce matin, c'est que sa parole ne sera point révoqué. Sa parole ne sera point révoquée. C'est vrai pour toute sa parole, celle qui s'est accomplie, celle qui va s'accomplir dans le futur, et que ce soit pour nos vies ou pour la vie de l'Église ou peu importe les promesses pour son retour, sa parole ne sera pas révoquée et toute va s'accomplir comme notre Dieu nous l'a révélé. Amen. Amen. La dernière fois, on a parlé d'un personnage qui s'appelle... Joseph, je l'ai entendu pas fort, mais Joseph, Joseph dans le livre de la Genèse. Joseph qui ne l'a pas toujours eu facile. C'est facile de, 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 de s'identifier à Joseph au travers de toutes les difficultés qu'il a pu rencontrer. Et c'est encourageant de voir ce que Dieu a fait au travers Joseph aussi, parce que malgré les difficultés, il a accompli un plan merveilleux. Euh, ça a pris plus de temps, sûrement, qu'il le pensait et qu'il l'a voulu même qu'il s'en rendait pas trop compte, mais le entre-deux, entre la, la révélation et l'accomplissement de la révélation, il y a eu un temps quand même assez long pour lui. Puis ça n'a pas été toujours facile. Mais un jour, il a saisi la grandeur, la grandeur de Dieu, la grandeur du plan de Dieu. Un jour, il a, eu la, la, il a vu l'accomplissement de ce que Dieu lui avait donné. Et ça, c'est un Dieu qui est fidèle. Mais avant la, que la révélation s'accomplisse, il saisissait pas toujours ou tout le temps que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, malgré que c'était vrai pour lui. Mais c'est tellement facile de regarder une histoire comme ça, puis de voir, waouh, il savait pas, mais nous autres, on le sait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais lorsqu'on on le vit, nous, dans nos difficultés, avons le besoin de le croire, et pas seulement dans l'histoire de Joseph, mais pour notre histoire, pour notre Église, pour notre vie de tous les jours, peu importe ce que l'on vit ou ce qui arrive dans nos vies. Oui, ceux qui sont appelés selon ses Dessins Romains 8, 28, ou ceux qui sont appelés conformément à son plan divin, peu importe l'entre-deux, peu importe ce qui se passe entre les deux, sa parole s'accomplira. Ses promesses sont vraies. Et tout ce que Joseph a vécu lorsqu'on regarde l'histoire, on a vu que c'était pour sauver 75 personnes. 75 personnes. On a parlé les dernières semaines, sauver 75 personnes de la famine, mais il a tout fait ça malgré lui. Il a tout fait ça sans même le réaliser. Sans même voir ce qui arrivait, il n'avait même pas encore vu la suite. De tout le plein divin, mais un jour il s'est réjoui. Dieu l'a délivré de toutes ses tribulations. Il s'est réjoui. Il était béni. C'était le wow, wow que Dieu est grand, que Dieu est bon. Sa bonté, on, comme on a chanté au, au, au tout début. Je chanterai les bontés de Dieu qui a été fidèle tout le temps. Et c'est ce qu'on veut faire. Mais c'est ce que lui réalisait que Dieu était bon, même dans les pires moments de sa vie. Et c'est ce que Dieu est pour nous. Et quand ses frères se sont présentés devant lui, et quand il était élevé, et que la révélation que Dieu lui avait donnée s'est accomplie, on voit ça dans Genèse 45, verset 5, où il a dit à ses frères que c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Regardez, reconnaissez la grandeur du plan de Dieu, la grandeur de cette révélation qui vous bénit aujourd'hui. Et c'est ceux qui l'avaient rejeté. Et notre Joseph les rassurait. C'est ce que Dieu a fait au travers d'un Joseph, un petit Joseph qui avait 17 ans au début, qui a été vendu comme esclave. Imaginez ce que Dieu peut faire avec un enfant de Dieu qui veut marcher selon son esprit, selon sa parole, et qui cherche sa volonté chaque jour, Il peut accomplir de grandes choses. Il peut sauver même plus que 75 personnes. Croyez-vous ça? Amen. Une seule peut donner naissance à d'autres ou appeler d'autres ou témoigner à d'autres qui vont se convertir à leur tour. Merci Seigneur pour tes plans merveilleux, mais un, un petit nombre est devenu ou deviendrait un peuple nombreux, comme on le sait aujourd'hui, qu'un jour il sortirait d'Égypte et serait conduit à travers le désert jusque dans la terre promise, ce pays d'abondance. C'est ce que Dieu a fait au travers la fidélité de Joseph, même dans ses pires moments. C'est pour ça que pour nous, enfants de Dieu, il est important, nous aussi, qu'on puisse par sa grâce, la grâce de Dieu, la sagesse de Dieu, marcher en toute fidélité dans ses voies, selon sa parole, et chercher à, à vraiment appliquer sa parole à nos vies, sa volonté, à, à nos vies, faire tous nos efforts pour marcher dans les voies de Dieu avec persévérance, d'être fidèle même, dans les petites choses, ou ce qui nous paraît être une petite chose. Mais que Dieu peut nous conduire au travers de ça, ou conduire quelqu'un d'autre au travers de ça. Parce que parfois, on peut se dire oh c'est pas grave oh ça dérange pas ou même si je faisais ça ou ça non soyons fidèles dans les petites choses parce que Dieu peut faire de grandes choses au travers notre fidélité notre persévérance aussi qu'on puisse persévérer dans les voies de Dieu parce qu'on ne sait pas ce que Dieu peut accomplir au travers un enfant de Dieu qui persévère dans ses voies ça c'est une réalité dans notre marche chrétienne malgré les défis qu'on rencontre chaque jour malgré les épreuves qu'on peut euh, avoir à surmonter peu importe ce qu'on vit, les injustices ou, ou, ou peu importe les, les avaries de la vie, peu importe la pression, la pression sociale aussi. Tout n'est pas parfait et tout ne sera pas fait parfait jusqu'au jour où Jésus va revenir nous chercher, qui va nous emmener dans son royaume qui sera parfait. Mais aujourd'hui, on a à faire notre part. C'est la foi avec les œuvres. La persévérance et tout ce qui s'ensuit, c'est la foi avec les œuvres. On croit en Dieu, on croit dans la fidélité de Dieu, on croit dans Sa parole. Donc, par Sa grâce, on fait tout notre possible pour puiser en Lui la force de marcher et de Lui être agréable, de, de Lui plaire et de marcher selon cette parole qui nous a envoyée et qui nous a fait parvenir cette révélation de Dieu. La foi avec les œuvres, pas juste faire des petites choses, pour le Seigneur le dimanche matin ou un autre jour. Mais d'être fidèle dans les petites choses, même si personne ne nous voit. Nous, on est fidèles et on veut plaire au Dieu que lui voit toutes choses. Et c'est ça, les, la foi avec les œuvres. Et pas juste quand les autres nous surveillent. Merci Seigneur pour l'Église. Merci que tout le monde est beau, il est gentil et qu'on peut servir le Seigneur à l'Église. Mais la vie chrétienne déborde. Déborde à l'extérieur de l'Église. Et c'est là qu'on peut faire la, la différence dans nos vies ou à travers de nos vies comme un Joseph. Bien sûr qu'il a vécu des choses difficiles, que Joseph a dû se sentir inutile à, à bien des occasions. À quoi ça sert d'être fidèle? À quoi ça sert de persévérer? À quoi ça sert que, que je puisse résister à la tentation? Il a dû n'avoir des pourquoi à notre Joseph, mais ça a servi à quelque chose. Il a dû se sentir peut-être perdu, mais un jour, il a vraiment vu la main de Dieu dans son parcours où il ne savait pas où il s'en allait. Des fois, on en a des pourquoi. On en a du questionnement. Où on se sent peut-être perdu, inutile dans l'inconnu ou dans les situations dans lesquelles on se trouve. La Bible nous dit que l'Éternel était avec lui, on a vu ça la dernière fois, l'Éternel était avec Joseph dans les pires moments de sa vie. Dieu n'abandonne pas ses enfants, n'abandonne pas ses serviteurs, jamais il va abandonner ses enfants, jamais il va t'oublier. Joseph restait fidèle, fidèle malgré tout ce qu'il vivait. Il s'efforçait, notre Joseph, de ne pas déplaire à Dieu. Ça, c'était sa responsabilité comme c'est notre responsabilité. Seigneur, aide-moi. Aide-moi malgré la pression, pression de mon entourage, la pression sociale, est ce que les gens, les gens sont aujourd'hui. Aide-moi à chercher constamment à te plaire et pas te déplaire dans mes choix, dans ma vie, dans mes décisions, et peu importe ce que je permets dans ma vie. David, devant la tentation de la femme de Potiphar, si vous connaissez l'histoire, où la femme de Potiphar voulait coucher avec Joseph, la femme de son maître. Et Joseph lui a répondu au chapitre 39, verset 9 de la Genèse Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherai je contre Dieu On voit le cœur de Joseph. C'est sûr que en cédant à cette tentation, il aurait évité la prison peut-être. Mais quand Potiphar l'aurait su, c'est la mort ou quelque chose du genre, hein, ça aurait été encore pire. Peut-être pour un temps, s'il avait accepté les avances, ça l'aurait soulagé de, de pression. C'est comme quelqu'un qui accepte le péché ou le plaisir ou les avantages instantanés que le péché peut proc procurer. Peut-être que ça a l'air bien tentant, bien avantageux, de, un petit mensonge, je va nous libérer. On ne sera pas obligé de faire face à la vérité, mais à quelque part, le péché n'est pas synonyme de bénédiction ou d'abondance. Loin de là, et c'est le contraire. C'est le contraire que Dieu nous aide. Peut-être qu'il aurait pu éviter la prison pour un temps, mais le péché l'aurait rattrapé. L'Éternel était avec lui. L'Éternel était bon avec lui. L'Éternel l'aidait dans ses priorités. Sa priorité, c'était de ne pas déplaire à son Dieu. Même si les autres ne voyaient pas. Même si les autres ne voyaient pas la foi avec les œuvres. Dans Acte 7, dans le discours d'Étienne qu'on a, on a vu et qu'on va revoir rapidement ce matin, qui parlait de l'histoire de Joseph, justement, et qui euh, et dit que, que Dieu était avec Joseph. Au verset 10 du chapitre 7 des Actes des Apôtres, ça nous a dit que Dieu l'a délivré de toutes ses tribulations, c'était le titre du message la dernière fois, mais il n'a pas tout évité les, les événements difficiles, les défis, le rejet et la jalousie, ou peu importe ce qu'il a vécu. Mais, mais Dieu l'a délivré de toutes ses tribulations. Mais ce qui est important aussi, c'est que Dieu lui donna la grâce, la grâce qu'il avait besoin. Pour continuer de marcher dans ses voies, pour passer à travers les temps difficiles, lui donner la sagesse aussi qu'on voit dans le passage, pour prendre les bonnes décisions dans sa marche avec le Seigneur. On a besoin de la sagesse de Dieu pour vivre dans ce monde, sinon on va s'engloutir comme le monde et on va les suivre dans leur débordement et on va vivre comme eux. On a besoin de la force du Seigneur, la sagesse du Seigneur, mais on a besoin aussi qu'il nous fasse trouver grâce au travers de cette vie. Au travers les gens de cette vie, même au travers, à, à travers les gens qui ne le connaissent même pas, comme Joseph a trouvé grâce auprès du roi, qui n'était pas un croyant comme lui. C'est ce qu'on a besoin. Il lui fit trouver grâce devant le roi d'Égypte. Il l'établit comme gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Notre Dieu, notre Père est fidèle. Il est tout-puissant. Et déjà, il y a des plans tout tracés, des œuvres préparées d'avance pour ses enfants comme il n'avait pour lui. Dieu est fidèle pour nous délivrer, nous aussi, de toute tribulation, de tout ce qui est difficile dans nos vies, de toutes les avaries, de toutes les injustices. Oui, il va nous délivrer parce qu'il va nous donner la grâce de passer à travers. Il va nous donner la paix pour qu'on puisse continuer d'avancer. Il, il va nous remplir d'espoir qu'il prend soin de nous, il veille sur nous malgré les difficultés, malgré les impossibilités. Merci Seigneur que tu le fais, qu'il qu puisse t'encourager ce matin. Peu importe ce que tu vis, que tu puisses trouver l'espoir en lui, la sagesse en lui, la paix au travers de tout ce que tu vis. Et que l'Éternel soit ton tout dans la situation où tu te trouves, comme il l'a été aussi avec Joseph. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu ne perd pas le contrôle non plus des situations difficiles. Mais on a besoin de faire notre part aussi, comme Joseph. Chercher à ne pas lui déplaire, mais chercher à lui plaire, l'honorer par nos vies avec son aide. Souvent on dit qu'on est rempli du Saint-Esprit, que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Des paroles qu'on aime confesser, c'est tout un miracle, c'est tout un honneur, c'est toute une grâce qu'on a, que, que l'Esprit de Dieu habite en nous. Mais Joseph n'avait pas l'Esprit de Dieu comme nous. On a l'Esprit de Dieu aujourd'hui. Mais il cherchait à lui plaire. Il y avait cette, cette dimension, ce, ce désir de plaire à Dieu. Il est resté dans son plan. Il aboutit, a abouti. Dieu le délivré de toutes ses tribulations. Il était là dans le plan de Dieu pour euh, le plan qu'il qu avait euh, au travers de lui pour ses frères et le peuple d'Israël comme on le connaît aujourd'hui. Merci Seigneur qu'on a le Saint-Esprit, on a la capacité qu'on a besoin pour faire face à toute situation. Seigneur, je veux que les plans, tes plans s'accomplissent pour ma vie. Je veux que ces œuvres préparées d'avance que tu pour moi, je puisse y marcher, marcher dedans et les voir s'accomplir te donner gloire. La foi avec les œuvres. Merci Seigneur que tu nous aides. C'est encourageant de voir qu'au travers tout ce que Joseph à traversé. La révélation que Dieu lui a donnée s'est accomplie. Parfaitement. Totalement. Ça, c'est notre Dieu. La parole que Dieu lui a donnée n'était pas révoquée et n'était pas là pour être révoquée non plus. Merci Seigneur qu'il a accompli. Tout s'est accompli Dieu n'a pas improvisé au, au fur et à mesure, mais déjà il voyait Joseph sauver les 75 personnes. C'est pour vous sauver que Dieu m'a fait venir devant vous, afin de vous faire subsister au travers de cette famine. Merci Seigneur pour les révélations qu'on a de la parole de Dieu. N'avez-vous des révélations pour vous? Sinon, ouvrez votre Bible. Ouvrez votre Bible, c'est rempli de révélations pour les enfants de Dieu. C'est rempli de promesses pour les enfants de Dieu. Et sa parole ne sera pas révoquée. Tout ce qu'il promet, il est capable de l'accomplir pour nos vies, malgré les difficultés, malgré les entre-deux. Que Dieu puisse rendre cette, cette affirmation vivante pour toi ce matin. Dieu va accomplir ses révélations, que ce soit pour notre vie présente ou notre vie à venir, que ce soit pour son retour et ce, ou ce qui nous réserve dans les cieux. Merci Seigneur pour la place qui nous prépare. On a eu des services funéraires cette semaine pour on parlait de la place que Dieu prépare aux enfants de Dieu et quand la place sera prête, il viendra nous chercher afin qu'on vive cette vie bénie pour l'éternité dans sa présence. Et c'est l'espérance des chrétiens. Merci pour cette vie, parce qu'on en bénéficie, et que Dieu nous bénit. Merci Seigneur que Dieu nous bénit dans cette vie. Mais à quelque part, lorsqu'on va arriver de l'autre côté, on va dire, Ouf, merci Seigneur, que je me suis rendu. Merci que je suis ici. Qu'il est bon que je sois ici parce que vaut mieux un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Les promesses sont nombreuses pour toi ce matin. Les promesses sont nombreuses et elles sont vraies. On a besoin, oui, de les réclamer, mais faire tout notre possible pour demeurer dans ses voies et chercher à lui plaire. Sa parole ne sera pas révoquée. Dans Genèse 37, on a vu que Joseph l'avait pas tout, toujours eu facile, même avec les gens proches de lui, sa famille, sa propre famille. Genèse 37, verset 4, ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié verset 5 que Joseph eut un songe, une révélation de la vérité que Dieu lui donnait, et le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Verset 6, il leur dit: Écoutez, donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Pour arranger la tension qu'il avait avec ses frères. Et ses frères lui dirent Est-ce que tu règneras sur nous Est-ce que tu nous gouverneras Et ils il le haïr encore davantage à cause de ses songes, à cause de ses paroles. Verset 9 Il y eut encore un autre songe. Et il raconta, ses, il raconta à ses frères Il dit J'ai eu encore un songe. Voici le soleil et la lune. Et les onze étoiles se pros le pros prosternaient devant moi. Et bien sûr, ça faisait référence à son père, sa mère et ses onze frères qui viendraient se prosterner devant lui. Ça devait bouillir un peu. Hein? La soupe devait être chaude, comme on dirait. Je ne sais pas si vous avez d'autres expressions. Hein? Tout dépendant de la région où on se trouve. Mais il racontait à son père et à ses frères, et son père le réprimanda. Il lui dit :« Que signifie ce songe ?» Que tu as eu. Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, se prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie ou de la jalousie. Ça les dérangeait, cette parole. Il n'étaient pas indifférent, ça les dérangeait vraiment. De l'envie, de la jalousie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Il y a tellement de belles allusions qu'on pourrait faire dans ces textes-là, mais. On va se concentrer sur un aspect ce matin. C'était la vérité qui sortait de la bouche de Joseph. C'était la vérité. La vérité qui n'est pas toujours bien reçue lorsqu'on la partage à quelqu'un, lorsqu'on partage la révélation de Dieu qu'on a eue. Dieu me sauve, Dieu prend soin de moi, Dieu, je suis. Tu sais, peu importe, la révélation de Dieu. La vérité n'est pas toujours bien reçue au départ, comme elle n'était pas bien reçue par les frères et les parents, même de Joseph. Mais un jour, un jour, ils ont réalisé la bénédiction de cette vérité. Un jour, non seulement ils l'ont réalisé, mais ils ont vécu la bénédiction que cette vérité se soit accomplie. La vérité qui sortait de la bouche de, de leur frère qui dérangeait tellement. Ils ont vécu, ils ont bénéficié de l'accomplissement de cette parole et ils ont été sauvés. Ça a sauvé leur vie. Ça a vraiment sauvé leur vie. Et comme on le dit depuis plusieurs semaines, Jésus est une euh, euh, Joseph est une image de Jésus. Mais plus qu'une image, c'est une révélation de Dieu au travers de la vie de Joseph, une révélation euh, du salut, une révélation euh, de ce que Jésus allait, allait vivre, allait subir, ce que Jésus allait être ou accomplir pour, pour le salut d'un peuple nombreux. Ça vient authentifier, ça vient donner, juste que les gens réalisent la sagesse de Dieu au travers de l'histoire de Joseph, mais tellement d'autres histoires aussi. Je ne sais pas si vous voyez ça, je lisais l'histoire de, de Joseph, je, je me trouvais tellement béni. Merci Seigneur que je vois Christ au travers de l'Ancien Testament. Merci que je vois Jésus. Merci que je vois ta grandeur, ta sagesse, ta toute connaissance au travers des histoires de l'Ancien Testament. Les Juifs connaissent ces histoires mieux que moi, mais ne voient pas Jésus. Imaginez la grâce qu'on a de voir Jésus au travers des Écritures puis de vivre, non seulement de le voir, mais de le vivre, d'avoir la, pu l'accepter, d'être rempli de son esprit, de naître de nouveau, d'avoir l'espérance qu'on a de la vie éternelle. Merci Seigneur. Mais cette, cette histoire, lorsqu'on réalise ce qu'elle révèle, ça vient nous, nous donner encore plus l'authenticité de l'œuvre de Christ, malgré que quand le Saint-Esprit entre dans nos vies, euh, on, on sait que, que sa parole est vraie, on sait que son œuvre est parfaite parce qu'on le vit, on le vit. Mais lorsqu'on voit ça, on voit la grandeur de Dieu qui, des milliers d'années, a annoncé la vie de Christ, la souffrance de Christ, le rejet de Christ et le salut de ceux qui viendraient à lui aussi, comme dans cette histoire. Merci, Seigneur, le salut. Le ministère de Jésus, le salut de ceux qui viendraient à lui, et, et, et il est le pain de vie pour sauver l'âme de tous ceux qui viennent à lui, le sauver du jugement éternel aussi. Quand Jésus disait qu'il était le Fils de Dieu, la vérité, le roi, le Messie qui devait venir, c'était la vérité, et plusieurs l'ont rejeté, et on pourrait. Euh, lire le, le, le verset 8 qu'on vient de lire. Ses frères euh, leur dire Est-ce que, est que tu règneras sur nous Les gens le, le rejetaient. Est-ce que tu vas nous gouverner Ils le haïrent davantage à cause de, de ce qu'il disait, de ses révélations, mais aussi de ses paroles, comme on le voit dans le verset 8. Et on pourrait, faire, on pourrait lire la suite aussi, mais ils n'ont pas accepté tout de suite la révélation. La vérité, la vérité confronte la vérité confronte croyez-vous ça que les gens l'acceptent ou non la vérité confronte les gens à l'intérieur d'eux sont dérangés par la vérité vous êtes avez-vous avez déjà argumenté avec quelqu'un qui croit que la terre est plate non non mais il y en a encore qui sont adeptes de bien des choses qui sont farfelues on se soucie pas de ça mais la vérité peut déranger cette vérité les vérités de Dieu dérangent. Parce que si les gens étaient si indifférents, ils n'en feraient pas de cas. La terre est plate, tant mieux pour toi. T'sais, mais la vérité, lorsqu'elle est prononcée, vient toucher le cœur, l'âme des gens, ça dérange. Peu importe la réaction. Peu importe la réaction. Si les gens étaient si indifférents, ça les dérangerait même pas. Veux-tu dire? qu'il faut que nous venions se prosterner devant lui. C'est sûr que si tu acceptes qu'il y a un Créateur, qu'il y a un Dieu, qu'il y a un roi, qu'il y a un Messie qui est venu, puis il est Seigneur, il faut que tu te prosternes devant lui en toute humilité, il faut que tu l'acceptes, il faut que tu le reconnaisses. Mais veux-tu dire que c'est ça? Mais si quelqu'un croit dans le Dieu Créateur, faut il faut qu'il rejette l'évolution. Il croit qu'il y a un Dieu qui a envoyé Jésus aussi. Tu ne peux pas que tu rejettes tout ou... Euh, Essaye un autre moyen, ce que les gens font aujourd'hui. Veux-tu dire qu'en toute humilité, on a besoin de reconnaître que Christ est roi, qui est un Créateur, accepter la révélation de sa parole, de la vérité, comme tu dis, et qu'on fasse nous aussi Jésus, le Seigneur de nos vies. Ça prend de l'humilité. Hein? Merci Seigneur qui nous l'a donné pour qu'on l'accepte. Moi, j'ai béni le Seigneur souvent, puis je vous le dis, comment te faites, Seigneur, pour me convaincre? Mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit au travers de la vérité de sa parole. Et je rends grâce à Dieu pour ça. La vérité dérange. Jean 8, verset 37, l'histoire de Pilate qu'on a vue dernièrement, et André-Marc a prêché là-dessus la semaine passée, où Pilate euh, disait à Jésus Tu es donc roi. Et Jésus répondit Tu le dis, je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Et ça, c'est une réalité. Jésus se révèle, c'est la vérité. Pensez-vous que Pilate est indifférent à ce que Jésus disait? Le verset précédent, juste le verset 36, où Jésus disait, Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je, fusse, je, je ne fusse pas livré aux Juifs, mais maintenant mon royaume n'est pas de ce monde, n'est pas d'ici bas. Mais ça voulait dire que j'aurais aucun problème de te virer à l'envers puis de te faire disparaître puis que les Juifs, jamais ils me touchent. À quelque part, il aurait pu commander une, une armée d'anges pour le libérer. Mais je trouve que Pilate, il a gardé son sang-froid parce qu'à quelque part, en dedans de lui, il savait qu'il y a quelque chose qui cloche. Il savait qu'il y avait quelque chose qui clochait. La vérité, oui, elle ne rendait pas indifférent. Elle ne rendait pas indifférent. Elle a pu dire, veux-tu, faut-tu faut qu'on vienne à toi pour se prosterner devant toi? Mais Jésus a répondu, si tu savais, oui, c'est ce que tu ferais. Ce serait la meilleure chose que tu pourrais faire, venir en toute humilité. Si, si tu connaissais l'avenir, tu viendrais te prosterner devant moi, si tu savais ce qui t'attendait. Quelque part, la vérité le dérangeait. La révélation de Dieu, la vérité était donnée. La révélation du Dieu vivant. Il était Dieu. Imaginez, il est devant Pilate. Imaginez le cœur de Pilate que Jésus lui proclame des choses comme ça. Tu ne peux pas rester indifférent. Peu importe si tu le rejettes. Tu ne peux pas rester indifférent. Il n'était pas si indifférent que ça. Parce qu'il voulait plus vraiment le mettre à mort par la suite. Il a essayé d'avoir une porte de sortie. Je ne trouve rien de coupable en lui. Arrangez-vous avec. Arrangez-vous avec votre loi. Il y a quelque chose qui l'a dérangé. Même s'il l'a rejeté, même s'il ne s'est pas prosterné devant lui et accepté qu'il était le Messie. Il n'était plus si sûr que ça. Il est influencé par la foule, la pression sociale aussi. Ça l'empêchait de, de prendre position comme beaucoup de chrétiens ou de croyants aujourd'hui à cause de la pression sociale et, et le monde qui est contre la parole de Dieu ou la vérité. La pression sociale, elle nous aide à prendre des mauvaises décisions. C'est un peu ça qui est arrivé parce que Jésus ne serait pas mort ce jour-là. Ouais, il est venu pour ça, puis le plan, c'était ça, mais comprenez ce que je veux dire. La pression sociale. Il y a eu une marche pour la vie hier, vous avez entendu parler de ça, une contre-manifestation, pression sociale, prendre position pour la vie, pour Christ, la, pour la bonne nouvelle du Seigneur. On a envie toute une pression sociale. Puis il y a des pays qui la vivent plus que nous. Puis l'autre la vivait. Il faut être capable, par la grâce de Dieu, d'aller. À l'encontre de cette pression-là. Je t'ai rendu où dans mon texte? Matthieu 26, des religieux cette fois-là. Là, il y a eu Pilate qui était le roi et il y a eu sa réaction et la vérité l'a dérangé. Et pas à cause de la pression, il a changé de décision. Il les a laissé tuer Jésus. mais... Matthieu 26, verset 63, des dirigeants religieux de l'époque, des gens qui connaissaient l'Ancien Testament, qui auraient dû voir Christ au travers les textes de l'Ancien Testament, mais refusaient de reconnaître le Fils de Dieu, les Messies qui venaient. Et ils ont interrogé Jésus, et Jésus gardait le silence, verset 63, et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus lui répondit, tu l'as dit, ça les chicotait tellement les religieux. Que Jésus se proclame. Peut-être qu'il était jaloux comme les frères de Joseph, mais la vérité ne les rendait pas, ne les, les gardait pas indifférents. Ils réagissaient à la vérité qui venait de la part de Dieu. Tu l'as dit, et Jésus a répondu en plus de plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Et merci Seigneur. Ils ont dit merci Seigneur. Je suis tellement content que tu te révèles et que tu me lis finalement qu'est-ce que la vérité. Et là, ils se sont prosternés devant Jésus. Merci que Dieu envoie le Messie, le Sauveur. Finalement. Pas tout à fait ça qui est arrivé. Vous le savez. La vérité dérangeait. Du moins, elle a dérangé à première vue. Merci Seigneur, parce que je suis convaincu qu'il y a des gens qui se sont réveillés à un certain moment donné, parce que Jésus est celui qui rend la vue aux aveugles et il a dû éclairer une coupe par la suite. Et certains se sont, se sont convertis. Alors, le souverain sacrificateur, suite à ça, déchira ses vêtements, disant Il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins Voici, venez, venez, euh, voici, vous venez d'entendre son blasphème. Cette vérité qui dérangeait parce qu'il n'était tellement pas indifférent à cette vérité. Ah, il prenait des textes bibliques de l'Ancien Testament pour se révéler. Ah, C'était quelque chose. Il est grand Dieu. Il avait toute une sagesse, Jésus. Que vous ensemble, il ils répondirent, il mérite la mort. Comme les frères de Joseph ils se sont débarrassés de Joseph, ils voulaient le tuer, ils l'ont vendu, l'ont donné comme esclave, l'ont vendu comme esclave, et vous connaissez l'histoire. Mais ça nous dit que là-dessus, ils lui crachèrent au visage, lui donnèrent des coups de, de, de poing et de soufflet en disant, Christ prophétise, dis-nous qui t'a frappé, donne-nous une autre révélation. Pas évident, mais le plan divin de Dieu s'accomplissait. La parole de Dieu n'était pas révoquée. Dieu accomplissait le plan pour lequel il était venu au travers toute cette souffrance, comme pour la vie de Joseph aussi. Et combien d'autres passages on aurait pu nommer où Jésus s'est révélé tellement de fois. Et j'avais tellement de beaux passages, peut-être qu'on va, on va en prê prêcher un autre message là-dessus dans, dans l'avenir. Mais il y avait Luc 14 où Jésus s'est révélé dans le temple avec le passage d'Isaïe. Hein? « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il et, et m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, pour euh, proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue, renvoyer libre, les opprimés, etc. Publier une année de grâce du Seigneur. Et encore une fois, les gens l'ont rejeté. Quand, quand il a dit, quand il a dit, cette parole s'accomplit. s'accomplissait en lui. C'était une parole, une promesse des Écritures, mais s'accomplissait en lui. Ils l'ont conduit dans le haut d'une montagne pour le pousser en bas, puis Jésus passa au milieu d'eux. Son temps n'était pas accompli, puis ce n'est pas comme ça que Jésus devait mourir. La parole de Dieu ne sera pas révoquée. Ça n'aurait pas fait, eu le même résultat. Dieu est grand. Ce n'est pas la, la seule fois que, que, que Jésus a déjoué les plans, mais Dieu est grand. À travers tout ce que Jésus a traversé ou tout ce qu'il a subi, la révélation que Dieu a donnée s'est accomplie. Parfaitement, totalement. Et encore une fois, Dieu n'a pas improvisé au gré des circonstances. Il n'a pas perdu le contrôle dans l'histoire. Ce n'est pas rien. Il a accompli. Jésus a accompli ce pourquoi il est venu. Nous sommes créés en Jésus-Christ pour des œuvres. Pour des œuvres qu'il a préparées d'avance, croyez-vous ça? Un passage, une promesse, de la parole de Dieu, c'est la révélation. Et lisez la Bible, c'est la révélation de Dieu. Et quand on parle d'une histoire, mais vous, vous pouvez la, la connaître, la suivre plus facilement, mais Dieu nous a préparés d'avance pour des œuvres. Et qui a préparé d'avance afin qu'on marche dedans, qu'on les accomplisse. Jésus a été la révélation de Dieu, il est la révélation de Dieu pour nos vies, pour notre avenir. Et c'est cette révélation aussi qu'on partage. On partage parce qu'on l'a reçu. Joseph a reçu la révélation de Dieu. Il l'a partagée. Il l'a partagée. Voici ce qui va arriver. Et c'est cette révélation qu'on partage aujourd'hui parce qu'on est tellement convaincu. On a goûté la présence de Dieu. On a goûté l'amour de Dieu. On a goûté le salut de Dieu. Le pardon, la miséricorde de Dieu. Et c'est ce qu'on partage aujourd'hui. Et la parole de Dieu ne sera pas révoquée. Les frères de Joseph, un jour, ont reconnu. Celui qu'ils ont vendu, celui qui a été rejeté, ils sont venus se prosterner en toute humilité devant lui. Joseph a été la source pour leur sauver la vie, sauver la vie de, de, de la famine et ils ont vécu finalement la bénédiction de, de l'accomplissement la, de cette révélation. Plusieurs de ceux qui, à qui on a partagé la révélation de ce qu'on a reçu, ce qu'on a vécu, Dieu est dans ma vie. Dieu m'a sauvé. J'ai l'assurance de la vie éternelle. On partage la révélation qu'on a eue. Dieu dit que tous ont péché, mais sont gratuitement justifiés par le moyen de la foi. On partage cette révélation qu'on a eue. On partage cette révélation. Les gens qui ont entendu, même s'ils ne l'ont pas accepté tout de suite, viendront un jour se prosterner devant lui en toute humilité. Parce qu'ils ont entendu un jour la révélation. Ils vont dire, Je vais retourner. Je vais aller vers lui, même si ce n'est pas vers nous, c'est vers lui qu'ils vont se prosterner. Merci Seigneur. Le pain de vie qui donne la vie au monde, ce n'est pas en vain que l'on partage cette révélation-là. Ce n'est pas en vain, même si les gens, au premier abord, n'acceptent pas euh, définitivement la vérité, et la vérité fait son œuvre. La vérité fait son œuvre. Pour nous chrétiens aujourd'hui, on se prosterne devant lui en toute humilité. On a chanté la gloire de Dieu, on a reconnu sa bonté pour nous et sa fidélité, et sa miséricorde. Et on, on se prosterne devant lui. C'est comme se prosterner devant lui en toute humilité et reconnaître qui il est. On, se, on, on rend grâce à Dieu pour le salut. C'est notre Sauveur, c'est notre Seigneur, c'est le Fils de Dieu, le Messie de nos vies. Merci qui, qui, nous, qui, nous, qui a pris le jugement à notre place. On, on reconnaît sa grâce infinie. C'est la grâce infinie de notre Dieu. Deux fois cette semaine, on a entendu ce chant au travers les services funéraires qui ont été célébrés cette semaine. Grâce infinie de notre Dieu. La parole de Dieu a été annoncée encore cette semaine. Et peu importe que les gens la reçoivent instantanément, elle va porter son fruit cette semaine. Parce que le salut a été annoncé. Le salut a été annoncé. Grâce infinie de notre Dieu. À ceux qui l'ont reçu. La parole, la révélation, elle a donné le pouvoir, la provision, la capacité de devenir enfant de Dieu. C'est un miracle de Dieu, la nouvelle naissance. On voit Jean 1, c'est les paroles qui se trouvent dans l'Évangile de Jean chapitre 1 qu'on n'a pas euh, sur le montage. Je termine euh, bientôt. Oui, oui, c'est vrai, j'ai un gros barbeau sur l'autre page, donc euh, ça en fait moins. <laughs> La femme samaritaine, dans Jean 4, verset 25, pas digne qu'un juif lui adresse la parole. C'est comme un être humain à un autre niveau, c'est une autre catégorie d'être humain. Et les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains. Peu importe la raison, on n'apportera pas ça ce matin, mais. Mais Jésus s'est arrêté, lui, à elle. C'est comme nous, on n'était on pas digne de Jésus. On n'était pas digne de son salut. On n'était pas digne de, 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 de sa bonté, de son amour, mais il s'est présenté à nous. Il est venu se révéler à, à nous, comme il s'est révélé à la femme samaritaine sur le bord du puits. Et la femme samaritaine, suite à ce que Jésus lui disait, a dit Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Et quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Il nous annoncera toutes choses. Et Jésus lui répond je, je, je le suis. Je le suis, moi qui te parle. Toute une révélation. Je le suis. Et bien sûr, à l'accepter. Merci Seigneur qu'on l'accepte aussi. Puis des dizaines, des centaines, des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes ont besoin d'accepter le Seigneur à, à qui on a déjà témoigné. Ils ont besoin de venir comme ça. Merci Seigneur que moi, ai, comme je l'ai dit un peu plus tôt, j'ai pu. Le connaître de cette façon-là. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et partageait la révélation qu'elle avait eue du Fils de Dieu. C'est le Sauveur. Elle est allée voir les autres. Elle, elle dit Est-ce que ce ne serait pas le Christ qu'on attend Le Sauveur de, du monde. Et bien sûr, en sortant de la ville comme ça, plusieurs ont accepté la révélation de, qui était proclamée par cette femme. Et au verset 42 du chapitre 4, il disait à la femme Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit. Que nous croyons maintenant. On est venu nous-mêmes puis on l'a vu, on a entendu, on a cru, et maintenant on sait avec certitude, sans l'ombre de doute, qu'il est le Fils de Dieu. Nous savons vraiment qu'il est le Sauveur du monde et ce sont ses paroles. C'est à cause de tes paroles, l'invitation ou la proclamation de, de cette révélation, mais maintenant nous personnellement on l'a connu. On sait vraiment qu'il est Sauveur du monde. C'est merveilleux. C'est ce qu'on fait, nous. On est une femme samaritaine qui a, qui a reçu le pardon de Dieu, qui a accepté la révélation, le partage, venez voir, venez voir, venez entendre. Et c'est Christ qui convainc les cœurs des gens et qui les emmène à cette repentance pour que le ciel s'ouvre sur eux, et que le Saint-Esprit vienne en eux. Merci, Seigneur. Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit, mais maintenant, on est venu à Jésus. On a accepté personnellement. C'est Jésus qui a, qui a convaincu ces, ces gens-là. Donc ce matin, je ne sais pas si tu es né de nouveau. Je ne sais pas si tu as accepté Jésus, mais mets ta foi en lui maintenant. Viens et vois. Tel message de la scène passée d'André Marc, de venir à lui afin de voir, mais voir d'une façon vivante, afin que Christ ouvre les yeux. Il, il ouvre les yeux des aveugles, parce que si tu ne vois pas cette bonté, cette, cette, cet amour, au travers le sacrifice de Christ, tu as besoin que, que Jésus ouvre tes yeux afin que tu puisses réaliser la grandeur de son amour. En toute humilité, Seigneur, je crois. Seigneur, je veux, pardonne mes péchés, je, je me repens parce que je suis pas digne, comme une femme samaritaine qui n'est pas à la hauteur. Seigneur, je ne suis pas digne, viens me pardonner. Cette femme avait eu plusieurs maris, plusieurs, mais Jésus l'acceptait comme elle était. Mais bien sûr, elle a été transformée par l'amour de Dieu, par, par la nouvelle naissance, par la suite, j'en suis convaincu. En toute humilité, on a besoin de venir à lui et de reconnaître Christ, notre Sauveur. Christ comme notre Sauveur afin qu'il nous ouvre les yeux, que Dieu puisse te toucher maintenant et que tu puisses prendre la décision dans ton cœur de venir à lui. Je me repens, je crois dans l'œuvre de Jésus sur la croix, qui a pris le châtiment que méritaient mes péchés. Et je veux accepter son amour, son pardon. Et je veux naître de nouveau. Viens et vois. Viens ou reviens. Viens ou retourne vers Lui. Si tu t'es éloigné, ou si ce matin tu vis, peu importe ce que tu vis, tu as besoin que Jésus comble ton besoin, viens à Lui. Reviens à Lui. Tu es venu dix fois, reviens encore. Reviens à Lui. Adresse-toi à Lui. Jacob disait à ses fils, après qu'ils soient revenus, d'être allés chercher du pain, et de la provision pour sauver sa famille. Jacob disait Retournez, retournez vers cet homme. C'est ceux qui ne savaient pas encore que c'était José, mais retournez vers cet homme et que Dieu, que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme dans Genèse chapitre 43, verset, verset 14. Pour nous, c'est Jésus. Retourne, retourne afin que tu puisses avoir la grâce de Jésus dans ton besoin. Oui, pour le salut, mais on a tellement besoin de Jésus. On a des passages qui nous disent à répétition de retourner, de demander, demander ce qu'on a besoin. Retournez, que Dieu puisse combler vos âmes, remettre l'espoir, redonner espoir. On pourrait citer le, le passage qu'on qu a passé rapidement un peu plus tôt. Retournez vers lui pour pour qu'il puisse guérir nos cœurs, qu'il nous annonce une bonne nouvelle de l'espoir, qu'il puisse guérir nos cœurs, nos vies, proclamer aux captifs la, à la délivrance, que les chaînes de, de l'esclavage, peu importe la dépendance, soient brisées au nom puissant de Jésus. Tu puisses trouver la liberté, rendre aux aveugles le recouvrement de la vue. C'est ce qu'il est encore une fois ce matin. Viens, viens de, devant lui, retourne, afin que le Dieu Tout-Puissant puisse faire en sorte que tu trouves grâce auprès de lui. Il veut renvoyer libre les opprimés. Il publie une année de grâce. Où la grâce est encore disponible, peu importe notre besoin, la grâce est disponible. J'ai besoin de Jésus, j'ai besoin de la paix de Dieu aujourd'hui. Et souvent, je dis Seigneur, j'ai besoin de goûter ta présence ce matin parce que simplement ta présence me réconforte, ta présence me donne l'espoir, ta présence euh, confirme que tu es vraiment avec moi. Je sais par la foi qu'il est toujours là, que jamais il ne m'abandonne. Mais quelle bénédiction de pouvoir s'approcher de lui, de goûter sa présence. Seigneur, touche le euh, ceux qui, qui souffrent ce matin, tous ceux qui sont inquiets, ceux qui manquent d'espoir, ceux qui ont besoin de joie, peu importe, Seigneur, par ton esprit, fais ton œuvre ce matin. Fais ton œuvre ce matin, ô oh Dieu. Viens, reviens, retourne. Alléluia. Merci, Seigneur, du privilège qu'on a. On publie une année de grâce. Et l'année de grâce se termine le jour où Jésus revient. Fait que ce matin, on la publie parce que c'est pour ce matin. C'est pour ton besoin. C'est pour ta vie. C'est pour ton salut. La fin de toutes choses est annoncée. La fin de toutes choses est révélée. Et oui, l'année de grâce va prendre fin. C'est pour ça qu'il est préférable aujourd'hui, indispensable de se prosterner en toute humilité devant lui et reconnaître sa royauté, sa souveraineté, reconnaître qu'on a besoin de lui, sa sainteté. Dieu dit dans Ésaïe 45, verset 23, Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera par moi. Ça, c'est une vérité, c'est une parole qui s'accomplira, peu importe le choix des gens. Un jour, ils vont le reconnaître. Ils vont se fléchir devant lui. L'apôtre Paul reprend cette même vérité dans Romains 14, verset 11, où il dit, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. C'est comme si Dieu disait, je vois. Je vois les, les gerbes de chaque être humain se courber devant moi. Comme Joseph l'avait eu comme révélation, c'est une révélation de Dieu. Vous êtes à la bonne place. Vous êtes à la bonne place en toute humilité devant l'œuvre de Jésus. Persévérons dans les voies de Dieu selon sa grâce, selon sa grâce et avec sa sagesse contre cette pression sociale et qu'on puisse marcher d'une façon qui lui est agréable. Et peu importe si on le réalise ou pas, on va marcher dans ses plans. On va, on va accomplir ses plans merveilleux. Ses, ses œuvres vont s'accomplir par sa grâce. Prions en terminant. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole. Merci pour la vérité révélée. Merci que non seulement on l'a sur papier, Seigneur, mais elle est gravée dans nos cœurs par Ton Saint Esprit. Tu t'es révélé à nous. Il n'y a jamais personne qui va pouvoir enlever cette révélation. Nous voler cette révélation de Ta grâce, de Ton amour, de Ta miséricorde. Merci pour Ton Esprit en nous. Alléluia qui vient vraiment authentifier cette œuvre merveilleuse, Ta résurrection, ô oh Dieu, notre résurrection aussi. Merci Seigneur que tu touches maintenant ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui n'ont pas peut-être l'Esprit de Dieu en eux, que tu, que tu puisses faire en sorte de les convaincre Seigneur. Nous on fait notre possible, on proclame la, ré, la révélation, la révélation que tu nous as donnée, mais c'est toi qui convainc, c'est toi qui sauves, c'est toi qui touches les cœurs, c'est toi qui amène les gens à la repentance, à se mettre à genoux devant toi, à se courber dans toute humilité devant l'œuvre que tu accomplis sur la croix, et reconnaître qu'ils ne sont pas dignes de toi, mais que par amour, Christ est mort et a subi ce châtiment à cause de leurs fautes. Nos péchés, leurs péchés, sont, ont tombé sur Jésus. Le châtiment qu'ils qu ont mérité est tombé sur Jésus afin de nous donner cette paix, cette vie, Seigneur. Par ton esprit, convainc les cœurs. Convainc les camps, mais également, Seigneur, ta parole veut qu'on vienne à toi ou qu'on revienne à toi, Seigneur. On a tous besoin de toi. On a tous besoin de ta présence, de cette paix qui surpasse toute intelligence au travers de toutes les difficultés qu'on vit. On a besoin de ta sagesse, ta grâce face à la pression sociale, Seigneur, peu importe le niveau, ô éternel, afin de ne pas être dévié de tes voies, de ne pas être influencé dans nos décisions, Seigneur, juste pour bien paraître auprès des autres. Non, Seigneur, Donne-nous la sagesse et donne-nous la grâce, ô oh Dieu, de marcher d'une façon qui t'est agréable, peu importe ce que les gens pensent, Seigneur. Et qu'au travers de ça, tu vas, tu vas accomplir ton œuvre et tes promesses s'accompliront pour nos vies. Seigneur, je te prie euh, vraiment que, que par ton esprit, tu puisses accorder la joie, que tu puisses accorder la paix ce matin au travers des difficultés, parce que les gens en vivent des difficultés, ô Éternel. Je t'ai prié que tu puisses accorder vraiment une touche de ta présence avec les les gens puissent reprendre espoir s'ils l'ont perdu. Oui, par la foi, mais, mais parfois un besoin d'une de, de, touche de ta présence, Seigneur, d'un verset qui vient, qui vient nous, nous exhorter, mais nous encourager aussi, peut-être comme ce matin, une parole qui nous a encouragés. Seigneur, je te prie de relever celui qui est abattu, Seigneur, d'ouvrir les yeux des aveugles encore une fois, et de guérir les cœurs brisés, ceux qui souffrent, Seigneur, et ceux qui ne te connaissent pas. Viens, Seigneur, relever. Viens restaurer les âmes, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh, éternel, éternel, on, on s'en remet à toi. Seigneur, bénis tes enfants ce matin. Bénis tes enfants de ta présence, Seigneur. Viens rencontrer les besoins de tes enfants, ô Dieu. Père de gloire, parle au cœur ce matin. Merci, Seigneur, que tu touches également ceux qui écoutent ce message en ligne afin que là où ils sont, ils puissent recevoir, crier à toi, parce que toi tu les vois, toi tu connais leur cœur, toi tu connais leurs défis, toi tu connais ce qu'ils vivent, Seigneur, et je te prie de les toucher, là où ils sont. Et que vraiment ta volonté s'accomplisse, Père, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Et je te remercie encore pour toutes choses, Père. À toi soit la gloire. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia.